Cette fête de la Chandeleur, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Marie et Joseph sont montés au temple de Jérusalem pour présenter Jésus, le fils premier-né, comme prescrivait la loi de Moïse. Ils rencontrent le vieillard Siméon qui proclame que cet enfant est la lumière des nations. C'est pourquoi cette fête est appelée fête de lumière. Nous aussi, à la suite de la Sainte Famille, nous sommes invités à monter vers le Seigneur avec de lumière pour accueillir le Christ qui vient éclairer toute notre vie. Il a posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Moi j'ai plutôt la question. Chercher la Le fusionnaire, bienvenue. Monseigneur, excusez-nous, on ne peut pas faire plus. On va faire plus. Non. Si vous voulez, je peux vous prendre dans mes bras. Pour vous mener. L'église de Marseille se souvient de l'arrivée de l'évangile par la mer avec Lazare, Marie-Madeleine et les saints. Ce gâteau qui nous rappelle ce moment et que la forme d'une barque daigne le bénir, daigne surtout faire que ceux qui le mangeront et le partageront avec les autres vivent fraternellement sur cette terre bénie, cette terre que tu aimes. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles, Amen. 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 Am